les nouvelles sont en froid en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les soldats ivoiriens détenus au Mali, la jeunesse de la CDAO encourage à la poursuite de la médiation. Les jeunes du Forum Ouest Africain de la Jeunesse ont encouragé samedi à Abidjan à la poursuite de la médiation pour un dénouement heureux de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Nous jeunes délégués, représentants diverses organisations politiques et mouvements de la société civile, ressortissants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique l'Ouest, CDAO, réunis du 1er au 3 décembre 2022, à Abidjan, encourageons la poursuite de la médiation pour un dénouement heureux de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, a dit Nafissatou Touré, venu du Sénégal, dans une déclaration sanctionnant le Forum Ouest-Africain de la Jeunesse. Ces assises de la jeunesse ouest-africaine qui se sont tenues dans la capitale économique ivoirienne du 1er au 3 décembre 2022 sur le thème « Jeunesse et menaces d'instabilité en Afrique de l'Ouest » ont été organisées par l'Institut de formation politique Amadou Bon Coulibaly, IFPAGC, de concert avec la Fondation Friedrich Naumann. Au-delà de la question des soldats ivoiriens détenus au Mali, plusieurs autres recommandations ont été faites à l'issue de cette assemblée de la jeunesse de la CDAO. En effet, les jeunes du Forum Ouest-Africain de la Jeunesse ont, par ailleurs, condamné la prise du pouvoir par les coups d'État militaires ou toutes autres formes de violence. Ils ont également apporté leur soutien aux initiatives de la CDAO en vue du retour à l'ordre constitutionnel dans certains États de la sous-région et ont invité cette institution à amplifier ses actions en matière de diplomatie préventive. Pour ça, par Miss Belmonde Dogo, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, qui représentait son collègue Mamadou Touré, promotion de la jeunesse, à la clôture de ce conclave, a salué les engagements forts pris par les jeunes au terme de ce forum. Nous attendons que très rapidement les résolutions que vous venez de prendre, notamment la mise en place du réseau des jeunes africains pour la démocratie et la stabilité, deviennent une réalité, a souhaité Madame Dogo, assurant du soutien de l'Institut de formation politique Amadou Bon Coulibaly à cette organisation de jeunesse de la CDAO. Un recrutement pour les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, à Ouagadougou, alors que la campagne de recrutement pour les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a connu un succès, les civils y prenant part risquent d'en payer le prix. En début de semaine, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, ont menacé, dans une vidéo publiée en début de semaine, de s'attaquer au village des nouveaux VDP, au nombre de 90 000 selon les chiffres du gouvernement. Dans la vidéo, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, prévient, les civils qui aideront les autorités mettront en danger leur village. Le groupe terroriste annonce la poursuite du blocus des villes du nord du pays, ainsi que son extension au reste du territoire. Des menaces prises au sérieux par Binta Sidi Bé Gascon, vice-présidente de l'Observatoire Kizal, une ONG présente dans le Sahel il y a quelques jours, quand même, des jeunes ont été arrêtés sur l'axe de Fada par des terroristes, parce qu'on les accusait d'avoir répondu au recrutement des VDP. Jusque-là, les attaques étaient essentiellement sur des symboles de l'État. Mais là, ils vont s'en prendre aux civils. Le tout militaire ne peut pas fonctionner, il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes de cette crise sahélienne, aller vers des projets de développement, aller vers de la discussion, du dialogue, dans des zones où l'État est complètement absent. Pour Jules César Wangre, président de l'Union citoyenne pour le changement, une organisation de la société civile, les VDP représentent une solution innovante pour lutter contre le terrorisme. Le reste n'est qu'intimidation, il y a des civils qui avaient été massacrés avant que les VDP ne soient enrôlés. Donc cette question, sous cet angle, ne tient pas beaucoup. Les intimidations ne marchent pas et ne peuvent pas amener les uns et les autres à renoncer à la reconquête du territoire national. Le régime qui est là y est pour expérimenter des nouvelles façons d'approcher cette guerre, qui est asymétrique. La violation de l'espace aérien par un avion arrivé pour bombarder un camp militaire en Centrafrique constitue un acte de terrorisme, qui a peut-être bénéficié de soutien étranger, explique un consultant politique centrafricain. Le bombardement qui a touché dans la nuit du 27 au 28 novembre la base militaire de Bossangoa, en Centrafrique, ne doit rien au hasard. L'incident a eu lieu dans une période charnière pour le pays, alors que le gouvernement se bat bec et ongle pour ramener la paix à l'intérieur, a affirmé ce mardi 29 novembre Prince Jérémy Yadungu, consultant politique centrafricain. L'attaque terroriste, qui constitue une violation évidente de l'espace aérien national, pourrait bien avoir été pilotée de l'extérieur,
avec le soutien de plusieurs puissances étrangères, souligne-t-il. Il y a de cela plus de 30 ans, la RCA vivait dans une instabilité politique quasi chronique. C'est au moment où nous aspirons.